transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Bonjour à vous. Il est 6h30 du matin et le soleil est déjà bien levé. C'est le début de l'été. Je vous emmène avec moi ce matin, dans ma tiny house et dans la nature, pour une relaxation par les images et par les sons. Je vous invite alors à mettre des écouteurs pour profiter au mieux de cette immersion. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter pour ce moment de détente. Quel bonheur d'être baigné dans le chant des oiseaux dès le réveil. Respirer l'air frais du matin. S'étirer à la lueur douce du soleil. Avant de démarrer la journée, il est bon de se dégourdir le corps, faire bouger ses muscles et ses articulations. J'aime beaucoup l'enchaînement des postures de la salutation au soleil. Je vais vraiment la faire en face de lui ce matin. Les pieds ancrés dans le sol et la tête érigée vers le ciel. Mains namasté près du cœur. Inspire, monte les mains loin vers le ciel et expire. Incline-toi droit vers l'avant, les mains loin devant. Ancre bien les mains dans le sol, inspire et un grand pas en arrière. Suspends le souffle et viens en planche. Expire, fléchis genoux, buste et front au sol. Inspire, petit cobra, ouvre le cœur vers l'avant. Monte le bassin vers le ciel, pousse les mains et les pieds dans le sol et expire. Grand pas en avant avec la jambe droite entre les mains, inspire. Expire, ramène la jambe gauche entre les mains. Monte les bras au-dessus des oreilles, remonte sur l'inspire vers le ciel. Expire, redescends les mains, namasté. En été, j'aime me préparer des miam aux fruits pour le petit déjeuner, pour profiter des fruits de saison qui arrivent. Je coupe un abricot en tout petits bouts. Dans un bol, je verse une compote que j'ai faite moi-même à la pomme et à la rhubarbe. Et avec un peu d'huile de coco. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile de lin pour les oméga-3. Et une cuillère à soupe de curcuma en poudre pour les antioxydants. J'ajoute une petite poignée de graines de tournesol. Et je mets l'abricot coupé dans la préparation. J'émiette quelques feuilles de menthe séchées pour plus de fraîcheur. Vous pouvez aussi ciseler de la menthe fraîche à l'intérieur. Et je dépose les 3 cerises. Et voilà un bon petit déjeuner en perspective.
profite le plus possible des moments de soleil. J'aime tellement sentir sa chaleur qui fait frissonner ma peau. Ces bains de soleil n'ont pas besoin de durer très longtemps. 15 ou 20 minutes suffisent pour me faire oublier tout le reste. Sa présence me met en joie. Tout comme la présence d'Abyss, qui adore quand je reste à la maison. On se prépare tranquillement pour notre balade en forêt. Faire des nœuds, c'est tout un art. Quand j'étais petit, je n'arrivais pas à faire mes lacets correctement. Alors ma grand-mère m'a appris une technique plus facile pour moi, en formant deux boucles à nouer entre elles. Je n'ai jamais abandonné ce lassage. Tu viens? La piste? Où est-elle? Où est-elle? Tu fais peur à mon chat. T'es belle, tu sais. T'es bien? Si Abyss a l'habitude de se promener avec moi sur le terrain de la ferme, on ne va quasiment jamais ensemble de l'autre côté de la clôture. Et la connaissant, je ne suis pas sûr qu'elle y aille souvent toute seule non plus. C'est donc avec précaution que je l'emmène avec moi, mais je ne suis pas inquiet du tout. Elle est un peu trouillarde, mais elle n'en est pas moins débrouillarde. Allez, et lui, on va se promener. Et alors? On va se promener? Oh, t'es courageuse. Alors, on est dehors? Tu vas près du grand cerisier? Il est grand cet arbre, et il est beau. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Une tiny house. Abby, tu connais pas ici? Non?
Ouh là là. Oh, t'as la grosse queue. Ça chatouille le visage. Ça chatouille les joues. Ça chatouille les joues. Oui. C'est agréable. Ça fait des petites chatouilles. J'entends un chat dans ce bruit. Abyss. T'es où? On te voit bouger. Et coucou. Et coucou. Oui, bonjour. Alors, où étais-tu caché? Tu veux rentrer à la maison? T'as un petit peu trop peur de la forêt sauvage. J'ai raccompagné Abyss à la ferme pour pouvoir continuer la promenade dans la forêt. Je suis tombé sur une clairière très mystique. Ceci n'est pas de la neige, c'est du pollen. Un tapis de pollen blanc. C'est comme si nous étions dans le repère des petites fées des bois. C'est toute une bébé forêt en devenir. Des bébés arbres. Et en son centre, le vieux chêne, gardien de la forêt, immense, qui veille sur ses petits et sur toutes les créatures. On n'en voit même pas le sommet.
Je vais vous lire quelques extraits d'un livre sur la forêt. La forêt en 301 questions-réponses. Écrit par Philippe Daumont et Nicolas Zaric, aux éditions Delachaux et Nicelet. J'ai sélectionné des passages qui concernent les racines des arbres et leur croissance. Comment les racines peuvent-elles pénétrer dans le sol ? Les racines se terminent par de fines et fragiles radicelles. Celles-ci progressent à travers les particules du sol grâce à la multiplication des cellules situées à leur extrémité. Certaines espèces, comme le chêne ou le sapin blanc, enfoncent verticalement de solides pivots, même si le sol est lourd et donc peu aéré. Les picéas et le tremble sont équipés de racines plus traçantes, qui restent plutôt en surface. Le hêtre et l'érable ont des racines intermédiaires entre les deux systèmes. Jusqu'à quelle profondeur les racines s'enfoncent-elles ? La grande majorité des racines fines évoluent entre 0 et 60 cm, car elles ont besoin d'oxygène. Si le sol est bien meuble, frais et aéré, certaines racines peuvent descendre jusqu'à 2 mètres ou plus. Si le sol est mal aéré, trop humide par exemple, il arrive que toutes les racines se concentrent dans les 20 premiers centimètres. Ceci n'est pas favorable à la stabilité de l'arbre. Observez un arbre abattu par la tempête. La portion de racines et de terre arrachée est souvent plate et superficielle. Est-il vrai que les racines occupent un volume aussi grand que celui de la couronne ? Non, car les racines sont relativement proches de la surface. Le volume qu'elles occupent sous terre est donc beaucoup plus faible que celui de la couronne, déployée à elle seule sur 10 ou 20 mètres de haut. En forêt, c'est la surface occupée par la majeure partie des racines qui correspond en gros à la projection de la couronne sur le sol. Donc on comprend que c'est la projection du feuillage au sol qui représente la surface des racines. En effet, tout comme les branches sont en compétition pour la lumière, les racines se disputent l'eau et les substances nutritives. Si l'arbre pousse isolément, les racines peuvent par contre dépasser nettement les branches les plus longues. Comment les racines tirent-elles la nourriture du sol ? Les racines approvisionnent l'arbre en sève brute grâce aux fines radicelles. Efficacement assistées par les champignons mycorhiziens qui les enveloppent, ces dernières sucent l'eau et les éléments dissous à travers les membranes de leurs jeunes cellules. La racine elle-même croît grâce à la sève élaborée dans les feuilles et transportée dans l'écorce. Les racines de certains arbres fixent l'azote atmosphérique par des nodosités contenant des bactéries ou des champignons. Qu'est-ce qui fait que ça grandit ? Les végétaux grandissent grâce à des cellules qui se divisent durant la période de végétation. Les arbres ont la particularité de pousser en longueur et en épaisseur. Croissance en longueur, l'arbre s'allonge à partir de ses extrémités qui contiennent les cellules actives capables de se diviser. Sous terre, ce sont les radicelles au bout des racines qui se développent. Les parties aériennes croissent à partir des bourgeons situés sur les branches et au sommet de l'arbre. Croissance en épaisseur, l'arbre s'épaissit sur toute sa surface, y compris les racines et les rameaux. La croissance en épaisseur est produite par le cambium, mince couche de cellules actives situées entre le bois et l'écorce. Ces cellules se multiplient vers l'intérieur, le bois, et vers l'extérieur, l'écorce. C'est pourquoi l'écorce a aussi des cernes annuelles. À quelle saison l'arbre grandit-il le plus ? Les cernes annuelles sont formées du bois de printemps, bois initial, de couleur claire, croissant d'avril à juin, et du bois d'été, bois final, de couleur foncée, apparaissant de juillet à octobre. Comparez les épaisseurs des bois de printemps et d'été, ou mesurez la longueur des nouvelles pousses à fin juin et à fin septembre. L'arbre grandit vite au printemps. En été, il fortifie les nouvelles pousses et le nouveau cerne. En hiver, il est au repos. Par où la sève passe-t-elle ? Depuis les racines, la sève brute monte dans l'aubier, zone externe et encore vivante du bois, en empruntant surtout les cernes les plus jeunes. Quant à la sève élaborée, elle descend depuis les feuilles dans le libé, couche interne de l'écorce, pour alimenter toutes les parties vivantes de l'arbre jusqu'aux racines. Pourquoi les cernes sont-ils si serrés au centre ? À l'ombre des grands arbres, le sapin et le hêtre peuvent rester chétifs et ne pas croître en hauteur ni en épaisseur. De véritables bonsaïs naturels, ils peuvent mesurer moins d'un mètre à 50 ans. Ils ne grandiront vraiment que lorsque le gros voisin, tombé naturellement ou abattu par le bûcheron, aura créé une trouée où passe la lumière. Les arbres dorment-ils ? Pendant la nuit,
la fonction de la photosynthèse s'interrompt, faute de lumière. Les arbres continuent de respirer, consommant de l'oxygène et rejetant du gaz carbonique. La nourriture produite le jour est répartie et stockée dans toutes les parties de l'arbre, ce dernier digérant la nuit ce qu'il a assimilé le jour. Si l'on mesure le pourtour du tronc au dixième de millimètre, on détecte cette croissance nocturne. Le matin, c'est la fonction d'assimilation qui se réveille. J'espère que cette petite lecture ludique vous a plu. Moi, j'ai trouvé ce livre très instructif, en rentrant un peu dans la technique, mais sans trop pousser. Donc, c'est accessible, très accessible. Je le recommande à tous les curieux de la forêt. Vous vous souvenez de lui? C'est le sapin de Noël que j'avais fabriqué il y a 2 ans et demi pour décorer ma tiny pour les fêtes. Et quand Noël est passé, au lieu de le jeter, je l'ai accroché dans la forêt en me disant que ça fera une décoration et une surprise pour les personnes qui passent. Eh bien, il est toujours là 2 ans plus tard. Ça, c'est son tronc qui est censé être plus au milieu. Bien sûr, j'avais enlevé les décorations, mais le reste est encore là. Je suis épaté qu'il ait tenu pendant toutes ces années. Sur mon retour vers la maison, je ne peux pas m'empêcher de ranger cette branche. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes plus détendus qu'au début de cette promenade. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs. Vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à très bientôt.